La République démocratique du Congo possède 80 millions d'hectares de terres arables, dont 4 millions sont irrigables. Notre pays a un vaste réseau hydrographique et une diversité climatique offrant des conditions extraordinaires pour une grande variété de cultures. Nous disposons des ressources pastorales capables de supporter 40 millions de bovins et des ressources halieutiques pouvant permettre un approvisionnement annuel d'environ 700 000 tonnes de pêche. Nous avons de grands défis à relever. Sécuriser et moderniser les systèmes de production agricoles. Mobiliser des investissements conséquents permettant la modernisation du pays. Vaincre la malnutrition. Mettre fin à l'insécurité alimentaire et réduire le niveau de pauvreté de la population. Notre pays a initié une dynamique nationale de modernité et une politique de croissance portée par un secteur agricole modernisé pour augmenter les productions à travers le pays. Nous avons mis en œuvre le Programme national d'investissement agricole et le Fonds d'innovation agricole qui est à la disposition des innovateurs, producteurs, fournisseurs et entrepreneurs dans les filières agricoles pour transformer durablement de vastes étendues de terres sous-utilisées en l'exploitation agricole rentable, utilisant les nouvelles technologies, dotées d'équipements et d'infrastructures de production modernes. Nous avons planifié un vaste réseau national de parcs agro-industriels à la hauteur de nos ambitions. À Bukang Alonso, notre projet pilote, une nouvelle cité agro-industrielle voit le jour. École agricole, centre de santé, infrastructures communautaires, logements, pistes d'aviation, routes, électricité, eau potable, communication numérique. Bukang Alonso est une industrie. Sa chaîne de production va de la terre à l'assiette du consommateur. La volonté du chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, a modernisé le secteur agricole et matérialisé par l'action gouvernementale. Une agriculture ultra perfectionnée pour notre indépendance alimentaire, c'est le socle de la révolution de la modernité. Elle permet la création de milliers d'emplois et le bien-être de la population. Avec le Programme national d'investissement agricole, nous faisons du partenariat public-privé la clé de notre stratégie de développement agricole du pays. Comme le dit le président Joseph Kabila Kabange, le temps est venu pour transformer l'agriculture congolaise d'un secteur de subsistance en un puissant moteur de développement économique global. La révolution de la modernité, des choix novateurs pour un pays plus beau qu'avant, pour un Congo nouveau, un Congo émergent.